أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد أخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنتطرق في لقائنا ودرسنا هذا إلى موضوع فوائد الصدقات. Aujourd'hui, inshallah, on va dans notre dars là, on va aborder les mérites de l'aumône. Quand je parle de l'aumône ici, sadaqa qui n'est pas obligatoire. يعني نتحدث عن فوائد الصدقات. صدقة في سبيل الله دائما في سبيل الله في سبيل الله ماذا يعني ما هي فوائد الصدقة؟ quels sont les mérites de la صدقة؟ quand on donne صدقة في سبيل الله quels sont les mérites؟ لأن إذا عرفنا فوائد الصدقات في الدنيا والآخرة هذا سيكون باعثا ودافعا. si on arrive à connaître les mérites de l'aumône dans ces bas mondes et à l'au-delà, vraiment, ça va nous motiver à donner fisabilillah. Awalan, hadi ibada maliya, c'est une adoration, je peux dire financière, avec le bien. Wa Allah subhanahu wa ta'ala, دائما يصف عباده المتقين بأن من صفاتهم أنهم يعطون في سبيل الله يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمن من صفاتهم منذ الذين يؤمنون بالغيب الصفة الأولى يؤمنون بالغيب ويقيمون الصفة الثالثة هي ومما ومما رزقناهم ينفقون ثم وصفهم بماذا أولئك على هدى أو الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هذه الآية من الآية واحد إلى الآية خمسة في سورة بداية سورة البقرة قال الله سبحانه وتعالى ذكري إلى دي ألف لام ميم ذلك الكتاب ces livres, ça veut dire les Corans, Houdan, l'Araïbafi, auquel, c'est-à-dire que dans son sujet, il n'y a pas de doute. Houdan l'il-Muttaqim, c'est une guidance pour les pieux. Quels sont les pieux? Quelles sont les caractéristiques des pieux? قال الذين يؤمنون بالغيب, ceux qui croient à l'invisible. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة سكي أكمليس لا بريير ومما رزقناهم يوفون سكي الله سبحانه وتعالى on les a donné comme subsistance ils dépensent ils font في سبيل الله donc ça veut dire donner في سبيل الله c'est parmi les caractéristiques de pieux dans l'islam c'est pas n'importe qui c'est un signe de piété Quelqu'un qui croit à l'invisible, qui prie, qui pratique les règles d'Allah, il donne fi sabilillah et c'est un signe de piété. Il y a des alama min alamat madha, min khasa'is al-muttaqim. Ladina wasafumullah fi hadhihi al-ayah. Al-an, awwalan, kathir al-shaytan qad yatala'ab. Ba'd al-nas bi'uquli ba'd al-nas, yu'ti al-insan sadaqa, walakin al-shaytan ba'd an yu'ti yubtilah. Souvent, Shaitan, s'il n'arrive pas à t'empêcher à donner, fils Abilillah,
Il n'a pas pu t'empêcher à donner. Si tu donnes, il va tout faire pour annuler. Ferme-le. Il va tout faire pour annuler. Donc c'est pour cela qu'il faut faire très attention. Yani Shaytan, il lam yastati' an yamna'ak an tu'ti fi sabilillah fa ba'da al-i'ta' aw ma'a al-i'ta' qad yakhda'uk wa yubtil athar wa thawab hadhihi as-sadaqah. لأجل ذلك يجب علينا معرفة ضوابط إخراج الصدقة. Quelles sont les conditions? Quelles sont les conditions d'acceptation des صدقة? هناك أربع ضوابط للصدقة. Il y a quatre conditions. Tu veux que quand vous donnez في سبيل الله, étant musulman, croyant, sera accepté, il faut tenir compte de ces quatre conditions. فهمتم? هناك أربع ضوابط. هذه الضوابط الأربعة لا بد أن تستكملها حتى يقبل الله سبحانه وتعالى منك صدقة. الأول برينا أن يكون المتصدق به مباحا. سيكون دون في سبيل الله الفوكس أسوى quelque chose de حلال. لا أستطيع أن أذهب وأعطي زجاجات خمر وأقول بيعوها ويستفيد منها المسجد. Je ne peux pas prendre un casier de l'alcool. Je vais dire que ça, c'est des bons whisky. Il n'y a pas de bon whisky déjà. Vendez-le. Et l'argent, c'est pour la mosquée. Il faut faire très attention. C'est clair ou pas? On l'a l'a oui, par exemple, là, oui, voilà un ticket de TRC qui a gagné. Donc, je donne ça à la mosquée, allez retirer l'argent. Même si je fais ça. Inna Allah subhanahu wa ta'ala tayyib la yuhibbu illa. Allah yaqbalu illa. Inna Allah subhanahu wa ta'ala tayyib la yaqbalu illa. Allah subhanahu wa ta'ala tayyib. Donc, il faut que ça soit quoi? Halal. J'ai dit كان يبيع المخدرات الفان لادروب فقبضوه قلت له ساسي جراف يبيع المخدرات فقبضوه فقلت له هذا ذنب عويص شديد فقال لي لا ان شاء الله خير قلت له لماذا قال لي نوسي خير لماذا قال لي اذا رايت القاضي يقول له انا كل اموال أموال المخدرات أنفقتها في سبيل الله. يعني فهمت؟ قال هكذا يخفف عني العقوبة. قلت له إذا أنت روبين بواو. قال لي وي. ما دي نتنكيت با، جي فاندي دو لا دروغ، جي غاني بوكو، مي إل فون ماليجي لا بين، باسكو سي جي دي لو جيج كو tout l'argent que j'ai eu, j'ai dépensé pour les pauvres. En fait, non. Awala yajib an yakuna mubah. Fala yasihhu ikhraj al-muharramat. On ne peut pas donner fi sabilillah quelque chose de haram. On dit voilà fi sabilillah, vendez-les ou faites-les. Non. En fait, non. Allah ne l'accepte. Allah subhanahu wa ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyib. Vous comprenez? Ça c'est la première condition. يقول الله سبحانه وتعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث المائدة آية 100. الله سبحانه وتعالى dans les sens de traduction dit les mauvais et les bons ne sont pas comparables. Écoute maintenant. Les mauvais et les bons ne sont pas quoi? Comparables. Même si l'abondance du mal séduit. Même si quoi? L'abondance du mal séduit. C'est quelqu'un qui travaille, qui gagne un salaire. Et il se suffit avec le salaire 1000 euros, 1200, 1500. Voilà. Il mène sa vie. Et quelqu'un d'autre qui va aller vendre de la drogue ou
autre chose qui est interdite et qui gagne beaucoup, il ne faut pas que cette quantité d'argent vous séduise. مثلا شخص يعمل بعرق جبيني ويحصل على 1500 يورو أو 1200 وتجد شخصا آخر يبيع المخدرات والخمور وكذا ويحصل على مال ممكن 6000 7000 فلا تعجبك هذه السبعة والستة لماذا؟ لأنها لا بركة فيها c'est pas la quantité qui compte même les biens c'est pas la quantité qui compte mais ce qui compte c'est la bénédiction peu béni est plus utile que beaucoup banni, quelqu'un qui n'a pas béni. En fait, mais quoi? La qalil al-mubarak, afdal min kathir, bila. Wadhal, qalil al-mubarak, afdal min kathir, bila. Kathir biba baraka, qad yakounu azaban alayhi ya'oud. Ça devient une punition, Allah te châtie. Et on voit beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup, mais ils ne sont pas heureux dans leur vie. ليس بالكثرة فقط. إذا تقول الله سبحانه قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. دي les mauvais et les bons ne sont pas comparables même si l'abondance du mal séduit. Il ne faut pas courir derrière l'abondance du mal. واضح؟ هذا واحد واضح؟ الشرط الأول واضح؟ الضابط الأول. Première condition, on a dit, il ne faut pas donner là quelque chose qui est haram, qu'Allah interdit. Donc c'est pas, ça ne sera pas accepté. Ça, c'est première condition. Alors, le shart là-bas. Voilà. Le shart fait, deuxième condition. La boudan l'alladhi tu'ti. Iza kana halal, mubaha, an yakuna ata'uka lahu li wajhi Allah. Il faut que ça soit pour Allah. Quand il donne quelque chose, il faut que ça soit sincère pour Allah subhanahu. Faites-moi. Si tu le veux, il a fait alto. Liyakul al-nas bi annaka karim ou il a fait alto. Liyatahaddath al-nas bi yashkurak al-nas fa'alayka an ta'alam anna hadhihi sadaqa fiha riya wa la yaqbaluha Allah subhanahu. Si vous faites la sadaqa pour que les gens disent vraiment il est généreux, ou bien pour que les gens parlent, ou bien pour qu'il sera flatté, ou bien pour qu'il sera vu, cette sadaqa n'est pas acceptée. On a Antakuna khalisata liwajhi Allah ta'ala. Fala tasihhu sadaqa ukhrijat li ghayri Allah subhanahu. Il faut que ce soit sincère. يقول الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ماذا بعبادة ربه أحدا. كاف الآية 110. الله سبحانه وتعالى dit dans les sens de tradition quiconque donc espère rencontrer son Seigneur. Si tu espères rencontrer ton Seigneur pour aller au paradis. Pas pour la autre chose. Espérer rencontrer son Seigneur pour le paradis, il faut la sincérité. Sans la sincérité, Allah n'acceptera pas les évêques, la sadaqa et autres. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse des bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Tu fais des bonnes actions. Il n'y a pas haram là-dedans. Et n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. C'est clair? Donc on a bien compris. La chose doit être halal, pas haram. Deuxièmement, c'est quoi deuxièmement? La sincérité, il faut qu'on soit sincère, on fait les choses pour Allah. C'est clair? Thalithan. An la takuna riya'an wa la man. ولا تكون الرياء ولا من أجل المن والأذى. Ça veut dire quand vous donnez, il ne faut pas que vous donnez pour que les gens voient. Et il ne faut pas que vous donnez et après vous rappelez les gens. Ah, n'oublie pas, hein, tu étais malade, j'étais donné ça. N'oublie pas, hein, un jour ton fils était malade, là moi je vous ai fait ça.
Et donc chaque fois tu rappelles la personne. Ça, ça annule ça. Ça, ça annule ça. Il vient dans une mosquée. Il donne fisabilillah et il aura un problème avec un responsable. Un problème peut-être n'a rien à voir avec sadaqa. Ah, il est fâché. Il a dit non, à partir d'aujourd'hui, avant je donne beaucoup, maintenant je ne donne plus. Est-ce que toi tu donnes pour celui-là ou tu donnes pour. Ah oui, il faut faire la part des choses, il faut savoir. Est-ce que c'est clair quoi? يأتي إلى المسجد يعطي في سبيل الله يوم من الأيام تحدث بينه وبين مسؤول أمور خلاف لا علاقة له بكل هذا فيقول لك لا لن أعطي بعد اليوم يعني معناه أنت عندما أعطيت تريد فائدة quand vous avez donné vous cherchez un ouais tu donnes de l'argent quand tu viens de là-bas tout le monde va aller t'accueillir tu veux ça. Et tout le monde va te servir. Il ne faut pas tirer un profit. Masjid, anta min al-umm. Hadi al-masjid li jami'. C'est pour tous les musulmans. Zalamaka ahad. Ah, limaza zalamtani. Hada laysa bihaq. Hada haram. Iqra alayhi ayah. Iqra alayhi hadith. Qul lahu la arda bizulm. Walakin la taqul lahu ana u'ti wa ana adfa' wa ana af'al. Vous comprenez pas? Wadih hadithati. C'est clair. Si vous venez, quelqu'un qui se comporte mal avec vous, vous pouvez vous défendre. Ça, c'est la maison d'Allah. Nous sommes égaux ici. Pourquoi vous me faites ça? Faut parler. Mais il ne faut jamais dire, ah oui, je donne ça, oui, voilà, je donne, je fais. Non, non, toi, tu ne donnes pas pour tirer une faveur. Tu ne donnes pas, parce que si tu arrives ici, on va t'accueillir. Comme un prince. Comme un prince. C'est ça le problème. C'est pas pour ça. Tu as fait pour Allah, c'est un contrat entre toi et Allah. C'est terminé. Maintenant, s'il y a d'autres choses, réglez-les ailleurs. Hada min babillah. Min babillah. As-sadaqa. Wahid, il vient au parking. Il arrête sa voiture. On lui dit non, 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 ici, là, il ne faut pas arrêter la voiture ici. Il dit pourquoi moi je paye? Je cotise. Donc, tu cotises, ça veut dire que maintenant, il y a sa part. Ah, donc toi qui cotises, c'est pour avoir des privilèges. Tu ne cotises pas pour Allah. Ah, ils allaient qu'ils ne t'avaient rien. Ah, ils ne t'avaient rien. Ils ne t'avaient rien. Ils ne t'avaient rien. Ça vient des shaitans. C'est pour annuler notre quoi? Sadaq. C'est pour annuler notre sadaq. Ils ne t'avaient rien. La fille, le man ou l'adha. L'adha t'oudhi l'insan. C'est lui là, il est ingrat, je lui ai donné ci, je lui ai donné ça, il est méchant. Vous comprenez pas? Ah, il ne faut pas embêter les gens, parce que tu as donné fils de Dieu. Donc, il y a بالمن تبطل المن يبطل الصدقة المن تقول له أنا فعلت كذا وزوجتي فعلت لك كذا وكنت مريض ففعلنا كذا وحدث لك كذا فدفعنا كذا هذا هو المن يبطل الصدقة ما عندكش لا تجد أجرا عند الله سبحانه وتعالى ففرت لا تنسي كنت رابل لا تصل كل شيء تدير بي ولا جيت في سي ما فهمت في سا ساساني لا صدقة Il vient pour le mariage. Ah, je vais l'imam, il aille avec moi le vendredi, samedi. L'imam, il a dit dars. J'ai des dars. Pourquoi? Et moi, je paye ça. Mon fils paye ça. Nous, on paye pour la mosquée. معناته حتى الإمام لو مشغول في الدرس لابد يمشي لأنه يدفع بس كيل بي عفوا دونك سوغان il vient il te dit s'il vous plaît vous partez avec lui parce que lui il paye ça veut dire que s'il ne paye pas on part pas عفوا part avec lui parce que
il peut. Pas il faut partir avec lui, fils et lui, non, parce qu'il peut. L'autre ne paye pas, il ne faut pas partir avec lui. Ah, il y a un dars, non, aujourd'hui on annule le dars. Dorus Mislahadi, on a beaucoup annulé. On annule beaucoup de dorus. Nas Jama'a là, tout, mais c'est pour les petits. Si tu viens, tu dis oui, je paye ça, il faut ça. Ah, il faut savoir ce que tu as donné, c'est annulé. Il faut faire très attention. Je ne sais pas, il est là, il est là. تعال قل انا من الامه انا مسلم وهذا امامي ولا بد يذهب معي ماشي تي بي venir dire que oui je suis de la communauté c'est moi c'est notre imam on a besoin de lui il faut qu'il aille المسلم اخو المسلم للمسلمين frère de musulman faut dire que la mec de roi ça peut passer mais pas dire ah oui je donne ça ça veut dire que s'il ne parle pas de mes je ne donne pas donc ça c'est un mille حفظتني واضح هذا واضح؟ Et souvent, il nous amène quelqu'un. Ah oui, la personne là a besoin de votre service. Mais je vais vous noter, la personne là, par an, il donne 2000 euros. C'est-à-dire qu'on est briefé, par an, il donne 2000 euros, donc serve. Ah, des mouchkés, quand tu as des jahal, quand tu as fait. Jahal, il n'y a pas de يكرم الناس على حسب ما يعطون. On respecte les gens selon ce qu'ils donnent. Tu donnes beaucoup, tu es respecté. Tu donnes beaucoup. Si tu as un problème à la mosquée, on forme une délégation pour aller présenter les excuses. Si tu quittes la mosquée comme ça, tu es fâché, on dit mais son nom c'est qui, c'est comme ça. Oui, il faut regarder sur l'ordinateur comme il donne. Wallah. On regarde sur l'ordinateur, on trouve qu'il donnerait de la laisse-les. Même pour la mosquée, il donnerait de la laisse-les partir. Mais s'il donne, on forme une délégation, on va aller chez lui jusqu'à vous. Ça, c'est une. Ah, ignorance, il faut faire très attention à ces affaires. L'essence de traduction. Oh les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort. Par un rappel ou un c'est clair ou pas? C'est clair ou pas? Regardez. Premier. Al-Awal. Dabit al-Awal. La yakuna al-mutasaddaq bihi haram. Premier. C'est qu'on donne fi sabilillah, il ne faut pas que ça soit haram. Wa thaniyan, an yakuna khalisan li wajhillah. Deuxième, il faut que ça soit sincère pour Allah seul. Troisième, il ne faut pas qu'il y aura des rappels ou tort. L'an yakul fihi man wa adha, l'anna hada yubtil sadaqa. Rabi'an, an yatasaddaq bima yajib, l'uhib, bima yuhib, wa laysa mima yakra. Il y a des gens, ils me donnent que les choses qu'ils détestent. Je porte ce t-shirt, maintenant le t-shirt n'est plus bon, je vais le jeter. Ah, fils de ville. Il ne donne pas quelque chose qu'il lui aime. Enfin, il ne donne pas quelque chose qu'il lui il aime. La chose que lui n'a rien à voir, c'est fini. Pas utile. Lui-même, il voit que ce n'est pas utile. Des choses comme ça, c'est ça qui donne fini. افضل صدقه هي الصدقه التي مما تحب كلك شو سكتي فهمتوا ان تعطي الصدقه مما تحب يقول الله تعالى لن تنالوا البر يعني التقوى لن تصلوا الى درجه التقوى الكامله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون مما
Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala, dans les sens et les traditions, vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez, de ce que vous aimez. Vous devenez large de ce que vous aimez. Donc quand vous donnez quelque chose, j'aime. Quand je donne fisabilillah, tel habit ou des choses, ouais, j'aime cet habit, mais je donne fisabilillah. Quand Bab, une sœur, l'ancien prédécesseur, Pierre prédécesseur, كان عندما يأتي سائل في البيت كان كلكم مانديان كلكم في سبيل الله الديمان في سبيل الله طعام الفي مانجي كان يسأل زوجته أي طعام أفضل أنا أحب يعني الديمان سا فام كل نوريتير كنا كموا جيم بوكو بليس كبير سا فام لوي دي سي تيل 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 يل دي دوني فهمتني واضح هذا Yes, elle a eu un ta'am. Ça veut dire que quand il vient demander de nourriture, il demande sa femme à sa femme. Il dit quel genre de nourriture qu'on a aujourd'hui que j'aime beaucoup plus que nous. Quand sa femme elle dit tel, il dit donner. Parce que vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez, de ce que vous aimez. Il faut donner ce que vous. Allah subhanahu wa ta'ala, il hibbu hada. Voilà. Ces quatre choses, ça, ce sont des quatre choses. Donc, il faut tenir compte de cela quand vous donnez sa vie. الآن سنأتي إلى نقطة وهي فضل الصدقة في الدنيا. Le mérite des sadaqa dans ces bons moments avant la mort. Voilà. فضل الصدقة في في الحياة الدنيا هنا قبل الموت. Avant la mort, quels sont les mérites de صدق؟ Est-ce que vous me comprenez؟ واضح؟ واضح. حتى بالعربي واضح؟ والفرنسي واضح؟ واضح. يعني quels sont les mérites de quoi؟ Où؟ في الدنيا. Dans ce moment, je ne parle pas. On va venir sur l'au-delà. واضح هذا واضح؟ إذا فضل الصدقة في الدنيا. أولا الصدقة تتضاعف وتنمو وتبارك. Ça veut dire الصدقة se multiplie. Et Allah subhanahu wa ta'ala sera béni par Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez? Est-ce que c'est clair ou pas? وكلما هو مبارك لا ينقص من مالك شيء. Quand vous donnez fils à Bilal, il ne faut pas penser que ça diminue quelque chose de ce que vous avez. Même dans ces bas mondes, laissons l'au-delà. L'au-delà se multiplie aussi. Même dans ces bas mondes, il faut savoir que ça c'est une manière que pour la multiplication de ce que tu as. En fait, فيها البركة. Donc il y a la bénédiction. Tu as une torte ici. صدق في سبيل الله هذه الصدقة فيها ماذا؟ فيها البركة. يقول الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار عظيم. الله سبحانه وتعالى دي dans le Coran الله أن ينتي لانتري الزرير أن ينتي الله أن ينتي لانتري الزرير. Ça veut dire que si tu prends un intérêt usuraire riba, il ne faut pas penser que tu es avancé dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui prennent des riba, ils construisent et ils pensent qu'il a avancé, les autres ne sont pas intelligents. Ah, c'est un problème, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Allah anéantit l'intérêt usuraire. Vous comprenez pas? Ah, c'est clair ou pas? Donc il faut pas prendre les riba et faire des choses et tu penses que tu es avancé par rapport à l'autre qui respecte les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. يعني الله سبحانه وتعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات يعني أن الربا لا بركة فيه وأن كل شيء يدخله الربا لا خير فيه ولا تظن أنك تسبق الآخرين
وتتقدم على الآخرين بالربا. واحد يمشي ويبني بيت كومي ديجا ريزون كونستر افيك ريبا وماتوا ولم يدخلوا في البيوت. Ils ont mort, décédé, mais ils n'ont pas parti habiter. Au Kamin al-Nasi Bana, ou au Khidamin Humulbu, Humulhanfil Mahakim. Comme des personnes qui ont construit, et maintenant ils sont en injustice dans les territoires. Femme de bien côté. Masalat al-Baraka, ça veut dire qu'il faut chercher la bénédiction. Puis, avec bénédiction, c'est mieux que beaucoup sans bénédiction. Il faut chercher la bénédiction dans tes actions. Ne faut pas chercher la quantité. يمحق الله الربا ويربي الصدقة. الصدقة فيها البركة. الصدقة الله سبحانه وتعالى la multiplie et il y a la bénédiction là là-dedans. Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et fait quoi? Fructifier le. Quelqu'un qui est commerçant. Il veut aller à l'avantage si tu donnes fi sabilillah. Allah barik laka fi malik. Allah subhanahu wa ta'ala barik laka fi malik. Tu vas aller à l'avantage. Il ne faut pas penser que parce que tu donnes fi sabilillah, tu vas être en arrière. Non. Mais عندما تعطي في سبيل الله الله سبحانه وتعالى يبارك لك في ذلك. Est-ce que donc on a compris maintenant une bonne manière pour investir à l'au-delà ou ici dans ce bas monde, c'est de donner fi sabilillah. Il ne faut pas oublier les gens qui ont besoin. Il ne faut pas faire des calculs. Après, oui, si je donne, je serai coincé, je serai ci, je serai en arrière, telle personne va me devancer. Non. Pardonnez, je vous donne un nom à qui. Je pense que c'est. Un ami m'a dit, pourquoi tu dépenses? Quand tu le vois, tu fais comment? Tu fais comment? Quand tu as un ami, tu as un ami, tu as وقبل ان اضع المبلغ قال لي je viens à la banque quand je prouve quelque chose avant de déposer l'argent que j'ai mis j'ai dit avant de déposer j'ai dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un يعني هذا المال مات خلاص هذا المال مات صدق c'est bien là il le considère comme inna lillahi wa inna ilayhi raji'un il ne le touche pas quel que soit le problème ne le touche pas قال لي هذا لا تجمع المال الفين يضع المقر لا يضع يقول إن لله وإن إليه راجعون واضح يا أخوتي هذا واضح ثانيا كان فودون الصدق الملائكة يدعون للمتصدقين تي بروفيت دي دعاء الملائكة وانتم تعرفون دعاء الملائكة مستجد دعاء الملائكة زي les doigts des anges est exaucé. Donc, tu profites des doigts de quoi? Des anges. Maintenant, sabah ou massa? Matin. Et le? Soir. Aou? Aou sabah? Khassa fi sabah al-bak. Fi sabah mana? Al-bak. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه ما من يوم يصبح العباد في الصباح إلا ملكان ينزلان ينزل ملكان من السماء فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا أخلف له يعني المنفق أعطيه خلف فهمتم ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا فهمتم لبصر محمد صلى الله عليه وسلم ما دي chaque jour lorsque les serviteurs se réveillent ça veut dire chaque jour tôt matin tôt lorsque les serviteurs se réveillent le matin tôt des anges descendent d'où? Du ciel. Des anges descendent spécialement sur la terre pour descendre. Et l'un d'entre eux dit, écoute-moi, ça chaque matin, des anges qui descendent spécialement, matin bonheur, l'un d'eux dit, ô Seigneur, donne à celui qui dépense
donne à celui qui. Donc ils font des doigts que celui qui a dépensé, qu'Allah lui donne. Donc il faut savoir, quand on donne, fils de l'Allah, c'est la bonne manière d'avoir. Pour avoir. Si tu es parmi les donateurs, des gens qui donnent, des anges qui descendent, un qui dit, oh Allah, donne quoi? À celui qui dépense. Il fait doua qu'Allah donne. C'est pour cela, quand on dépense, il ne faut pas penser que c'est de l'argent perdu, mais c'est un investissement. Allah subhanahu wa ta'ala qui donne davantage. Est-ce que c'est clair? Toi, tu es généreux, mais Allah est plus généreux que toi. Il te donne à l'au-delà et il te donne ici aussi. Il est plus généreux que toi. Voilà. C'est clair? Et l'autre dit, oh Seigneur, donne l'altération, ça veut dire la dégradation à celui qui ne dépense pas. La dégradation. Donc celui qui ne dépense pas. Pourquoi il ne dépense pas? Parce qu'il veut gagner beaucoup. Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la dégradation. C'est que le problème, ça veut dire que tout ce qu'il met, ça se dégrade. Est-ce que c'est clair ou pas? Les doigts des anges exaucés. C'est clair? Ah, donc on profite de quoi après, quand on donne fisabilillah, ça multiplie. Deuxième, on profite des doigts des anges. Vous profitez, les généraux, ils profitent, chaque jour, ils profitent des du'as de Al-Malaïka. Et les du'as des anges et exaucés. Est-ce que c'est clair? Non. Voilà. Thalitha. As-sadaqatu tutfi'u ghadab al-Rabb. Khassatan sadaqatu sir. La sadaqa qu'on donne en cachet. Éteint la colère du Seigneur. Éteint la colère du Seigneur. Ça, c'est très bien. On fait beaucoup de péchés. Nous avons besoin de nous. Allah est en colère contre son serviteur. Et quand Allah est en colère, attention. Quand Allah est en colère contre quelqu'un, attention. Tu seras même puni ici avant. Ça veut dire que tu es en danger déjà. Quelqu'un qui est là, on lui dit que Allah est en colère contre toi, c'est un grand problème. C'est clair? Walakin, sadaqa tu sir, la sadaqa qu'on donne en cachet, était la colère d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, la yantaqim, la yu'aqibuk. Allah subhanahu wa ta'ala ne te punira pas. C'est clair ou pas? Il y a beaucoup de gens comme ça. Que si Allah est en colère contre toi, ça veut dire que ta vie, c'est fini pour ta vie. Mais le sadaqa en cachet éteint la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair? Donc celui qui a fait un grand péché, il a fait des choses, souvent il regrette, il veut qu'Allah lui pardonne, des choses comme ça. Voilà la meilleure chose, c'est de faire. Parce que ça atteint la colère. Quelqu'un souvent va venir, voilà, j'ai la vie, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait taouba, mais je vais faire quelque chose pour Allah. Parce que ce que j'ai fait, c'est grave, et des choses comme ça, tu lui dis, par exemple, fais un sadaqa secret. Est-ce que c'est fait tout le monde? Non. Il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadith Ibn Abbas radiallahu anhu, qu'a le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, صدقة السر تطفئ غضب الرب حسنه الألباب. Le prophète sallam a dit, le monde donné en secret éteint la colère du Seigneur. Est-ce que c'est clair? Éteint la colère du Seigneur. Seigneur. Arba. Quatre. الصدقة تشفي المريض. الصدقة soigne le malade. Sadaqa tashfi mada al-marid, ça veut dire soigne le malade. An Abi Umamah al-Bahili radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala da'u mardakum bis-sadaqa.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith d'Abu Umam al-Bahili, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, soignez vos malades avec le monde. Soignez vos malades avec madame le monde. يعني الإنسان الذي يتصدق في سبيل الله الله يشفي مريض يقدر يعني هو فهمتني دعوا مرضاكم بالصدقة soignez vos malades avec quoi le monde واضح هذا c'est clair بعد هذا خامسا الصدقة دليل على صدق العبد وعلى إيمانه. لا صدقة c'est une preuve de la foi de la personne et sa sincérité. C'est la foi. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والصدقة برهان. حديث رواه مسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit l'aumône est une preuve de la foi, la sincérité. Dans ma tête, le شخص في سبيل الله في سبيل الله هذه علامة. علامة. يعني شيء بريف هذه علامة على أن هذا الشخص في قلبه حب الله وليس حب المال الفتنة. donc c'est une preuve. donc c'est parmi les preuves qui montrent que la personne à la fois c'est de donner في سبيل الله. est-ce que c'est clair؟ واضح هذا؟ ستة. quelqu'un qui va te dire j'ai beaucoup de péchés. quelle action à faire pour effacer؟ بعد الناس يقول لك والله أذنبت كثر الذنوب فماذا أفعل حتى ماذا يعني فأنت حتى تمسح تمحى الذنوب فعليك بالصدقة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار للبروفيت محمد صلى الله عليه وسلم قال اللومون éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. J'ai des péchés, je veux que Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne. Je vais effacer mes péchés quand vous donnez sadaqa. Sadaqa efface le péché comme éteint le péché comme l'eau éteint le feu. Ça c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a vu les mérites. Hein? الصدقة تطهر العبد وتبارك له في ماله. صدقة كانت من صدقة في سبيل الله. يا دي إفه. توا. الصدقة تبيريفي. توا من. la personne même sera purifiée. الله سبحانه. vous comprenez? الله purifie le cœur. quand tu donnes صدقة, il y a un effet sur toi que ça te purifie. et il y a un effet sur les biens que tu as que Allah va bénir les biens. Donc il y a un effet sur toi directement, il y a un effet sur ce que tu possèdes. واضح هذا خوتي؟ واضح هذا؟ انظروا. يقول الله سبحانه وتعالى: خذ من النبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إلى ديو بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. وخذ سبيل الكورنا. خذ برون سي لا تراديكو سي سيرتينمون سي ان فورنس لا تراديكو بريليفي بريليفي اوتوماتيك دونك سي زيمبو او كومبرين الى سادا لي سيرفو قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ماذا بها؟ prends ou bien prélevez de leur bien un sadaqa, ça veut dire une aumône par laquelle tu les purifies. Par laquelle, ça veut dire par cette sadaqa tu les purifies. Purifie. Elle est bénie. Donc il y a la purification, il y a la bénédiction. Et quand Allah t'est béni, même avec tes biens. Donc c'est pour cela qu'il y a un effet sur nous et il y a un effet sur ce qu'on prélève ou on donne. Vous voyez, il n'y avait pas de prélèvement sur tout. Alors, je parle. Quelqu'un qui va te dire, Wallahi, je pense qu'il y a des gens qui veulent me faire du mal.
des gens qui préparent un coup contre nous. يعني بعد ما تجد شخصا خايف يقول لك ربما يتآمر الناس ضدي فهمتني يحضرون شيئا ضدي ils veulent me faire du mal ils me suivent on entend ça pas واضح ام لا واي quelqu'un qui te dit que oui الناس هذا ضدي يريد ان يدمرني يريد ان يفعل بي يريد ان يسوي ماذا أفعل؟ كيف نقول لك الصدق؟ فيك و؟ صدق لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول استمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باكروا بالصدقة باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة البلاء لا يستطيع أن يتجاوز الصدقة إذا جاءك الصدقة تمنعه وما يستطيع أن يتجاوزها ويصل إليك صدقتك ستقف بينك وبين البلاء البلاء لا يتجاوز باكر به يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه البيهقي باكر بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة لفضل النبي صلى الله عليه وسلم دوني لومون دي غرام ماتين سابدتو Donner le monde tôt, pourquoi tôt? Ah, les gens dorment avant qu'ils s'élèvent avec leur. Faites-vous. Ah, Baker, là, le Baker Naïmi, il dort. Il faut, quand il est face tôt, c'est mieux tôt, parce que pour bloquer. Mais si tu dis oui, je donne à midi, s'ils préfèrent leur coup à 9h ou à 10h, c'est un problème. Faites-vous bien, Rodi. Ah, donc toujours il faut avoir un bouclier contre les malades. C'est ce que je veux dire. Donc il y a Bakir, il y a tout. Bakir bi sadaqa. Fa inna al bala la yatakhatta al sadaqa. Donnez le monde des grands matins, car les malheurs ne devancent pas le monde. Ça, c'est le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par le Bayhaqi. Car les malheurs ne devancent pas le monde. Ça veut dire si un malheur, si un mal qui vient, il faut savoir si tu donnes le sadaqa. Sadaqa est là, c'est comme un bouclier. Le mal qui va te toucher, il va être bloqué par sadaqa. Ça veut dire que sadaqa, elle bloque le. Ou en tout cas, on a la hasse. عندما تنفق على الأهل وتفعل وتعطي إذا تآمروا عليك الله دائما يفشي. Vous avez vu? C'est lui qui est généré, qui donne à la famille, qui donne aux gens. Même si tout le monde se regroupe contre toi, toujours Allah échoue les... Toujours tu t'échappes. Ou bien, ouais, tu t'échappes. Pourquoi? Parce que c'est ça. Il y a beaucoup de mal qui nous entourent. Il y a des gens qui veulent du mal. Il y a tellement de mal, on ne connaît pas. C'est invisible, on ne le voit pas. Mais quand tu as le sadaqa, le sadaqa te houle entre toi et entre les masakib. Sadaqa va créer une barrière entre toi et entre tous les problèmes qui arrivent. Là, je dirais que c'est très difficile de battre quelqu'un qui donne fissabilité qui est généré. Mahma tafal, Allah subhanahu wa ta'ala yafdahak. Tu fais tout, mais Allah subhanahu wa ta'ala toujours les protège. Ça fait tout. Wa hada ayda min as-sadaqa. Wa hada ayda min as-sadaqa. Na'am. Ba'dahu bis-sadaqa fa inna al-bala la yatakhatta. الصدق donner le monde des grands matins car les malheurs ne devancent pas le monde واضح ثامنا الصدقة دواء الأمراض القلبية الصدقة c'est un médicament des maladies du cœur maladie du cœur واحد في قلبه الحسد il a un cœur dur jaloux Amrad al-Qalb, les maladies du cœur. C'est quoi? Sadaqa. C'est les remèdes. En fait, j'ai quelqu'un qui a j'ai le cœur dur. Quoi faire? Donner. C'est, ça assouplit le cœur. D'abord, Amrad al-Qalb, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, liman shaka lahu qaswat al-Qalb. Il y avait quelqu'un qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Je suis venu vous voir parce que j'ai le cœur dur. J'ai mon cœur dur, je ne sais pas comment assouplir mon cœur. Lui-même, il comprend. Au moins, il reconnaît.
Il y a des gens, leur cœur est Dieu, ils disent non, 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 mon cœur est souple, je suis comme un ange. Je n'ai rien à me reprocher, c'est ce que. Je n'ai rien à me reprocher, t'es qui Si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam par jour, il fait astaghfirullah sans voix, qu'il demande pardon à Allah sans voix et qu'il dit ouais, je n'ai rien à me reprocher. Il faut la modestie. Je n'ai rien à me reprocher, t'es un ange. T'es un ange, est-ce qu'il fallait que. Donc, il y a un rôle de chacun de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon cœur est quoi dur. فماذا قال له النبي؟ قال له إذا أردت تليين قلبك فطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. حديث رواه الإمام أحمد. Il a dit au prophète صلى الله عليه وسلم j'ai le cœur dur, je vais assouplir mon cœur. Le prophète صلى الله عليه وسلم lui a donné des médicaments. Il a dit si tu veux que ton cœur soit tendre, nourris un pauvre. نريد أنفوس عندما نقول لكم جماعة عن مساكين لم نظلمكم كانت نقولي نريد سيل pauvre là on n'est pas injuste envers vous on vous aime vous comprenez on vous aime نعم قال si tu veux que ton cœur soit tendre nourris un pauvre et caresse la tête d'un orphelin caresse la tête d'un ça veut dire faut bien se pour s'occuper d'un orphelin. Celui qui s'occupe des orphelins et il nourrit les pauvres, Allah subhanahu wa ta'ala rend son cœur. Vous comprenez? C'est pour cela que vos enfants, ils nourrissent les pauvres à l'extérieur. Elle paye, non? Elle paye, cher. Hein? Elle paye. Ça rend son cœur tendre. Et vous avez besoin. Ou bien vous n'avez pas besoin? On a besoin. Très. Est-ce que c'est clair ou pas? الآن كمان الوقت قصير. يا بوكو مكم لطان يكور. maintenant on va faire quoi? فضل الصدقة في الآخرة. le mérite de la sadaqa à l'au-delà. من القبر من. à partir de la tombe. à partir de quoi? ça c'est la même sadaqa que tu donnes. tu peux tirer des profits ici et l'au-delà aussi. c'est même sadaqa. Même ça que vous donnez, vous tirez quelque chose ici et là-bas. Wabihad. Kunna indama yuwar al munafiq yudfan. C'est un hypocrite qui meurt et on l'enterre. Dans la tombe, il regrette pourquoi il n'a pas fait du bien. Fatagid al munafiq dakhil al qabr yandam limadha lam yaf'al al khair wa yatamanna al rujou. Il va souhaiter. Hein? Les retours pour faire du bien. Mais parmi ces biens, il a cité en première Sadaq. Min bayna hadhihi al-a'mal as-salihah dhakara as-sadaqa awwalan. يقول الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يعني يذكر الصدقة عندما يأتيه الموت وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans ce sens de traduction, et dépensez de ce que nous vous avons octroyé. De ce que nous vous avons quoi? Octroyé. Dépensez. Dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous. Avant que la mort ne vienne à l'un de vous. Et qu'ils disent, quand la mort arrive, ils disent, Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, il va demander un court délai, Seigneur, si seulement que tu m'accordais un court délai, je ferais l'aumône. Voilà, la première chose, c'est
Il n'a pas dit je gêne, il a dit que je ferai quoi? Le monde est serré parmi les gens des liens. Donc il a cité le monde. Ça veut dire même Mounafik, avant sa mort, il demande qu'on l'accorde un petit délai pour faire quoi? Sadaqa. Ils ont dit pourquoi? Parce qu'il a vu l'utilité de Sadaqa. Pour celui qui est décédé dans la tombe, il a vu l'utilité de Sadaqa. C'est pour cela qu'il a cité Sadaqa en première. Wadhada. L'annahu ra'a fa'ida ta Sadaqa fil qabr. Yani Sadaqa mufida fil qabr. Donc il a vu que dans la tombe, vraiment Sadaqa, c'est utile. Faites-moi. C'est pour cela qu'il a demandé un court délai et il a cité الصدقة دابو فهمتني؟ أهم. الآن الصدقة في القبر. dans la tombe. tu veux quoi? qui veut un climatiseur dans la tombe? qui veut la clim? من يريد مكيف؟ تريد مكيف؟ c'est chaud. qui cherche ça? faut donner الصدقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم استمع إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور لتطفئ عن أهلها ماذا؟ حر القبور وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته لبروفيت محمد صلى الله عليه وسلم أدي سر لمون لمون إتين la chaleur des tombes pour ses habitants. Elle éteint la chaleur des tombes. La tombe est chaude. Tu veux éteindre cette chaleur, c'est Sadaqa qui éteint la chaleur des tombes. Voilà, c'est quelqu'un qui fait Sadaqa. Lui, mais il fait Sadaqa à quelqu'un qui est décédé. Il faut voir à quoi ça va servir à quelqu'un comme ça. D'accord? Certes, le monde éteint la chaleur des tombes pour ses habitants. Et certes, les croyants ne se couvrent qu'avec l'ombre de son aumône les jours de la résurrection. Les jours de la résurrection, que le soleil est propre, il fait chaud, mais celui qui donne l'aumône, son aumône le couvre. L'ombre de son aumône le couvre. Maintenant, ah oui, donc, harr al-qabr. هذا الصدقة تذهب حر القبور عن أهلها عن الذين يتصدقون. Est-ce que c'est clair? C'est clair? والصدق هذا من ناحية وأيضا الصدقة تدرك صاحبها في القبر. الصدقة تدرك صاحبها في القبر. عن أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث صدقة صدقة جارية أو علم ماذا ينتفع أو ولد صالح يدعو le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم a dit lorsque l'homme meurt ou bien lorsque le fils d'Adam meurt ses œuvres cessent à l'exception des trois suivants une aumône dont les profits demeurent une aumône que dont les profits quoi demeurent creuser depuis, ou par exemple, soutenir quelqu'un qui apprend la science, dit quelqu'un qui est étudiant, lui il va apprendre, il devient un savant, il enseigne aux autres, lui il meurt, mais ses élèves sont là, les élèves aussi enseignent d'autres, donc la science continue, quelqu'un qui a appris, s'il enseignait 1000 personnes, les 1000 personnes, c'est lui les 1000 personnes. Il y a d'autres qui vont enseigner d'autres qui vont enseigner d'autres jusqu'à l'autre. Est-ce que c'est jusqu'à la fin du monde? Donc, dans ces cadres-là, cette science continue. Ça, là, comment ça s'appelle? Cette science continue, ça sert à quoi? Ouais, ça c'est que la personne trouve la récompense dans sa tombe. Vous comprenez? Ouais, la personne trouve des récompenses dans sa tombe.
une science utile aux hommes. Quelqu'un qui enseigne une science utile aux hommes et les gens, ils pratiquent cette science, ça aussi, ça ne coupe pas. Même après sa mort, ça. Soit tu enseignes toi-même, si tu ne peux pas enseigner, il faut aider les étudiants, les gens de la science. Donc aussi, tu allais partager aussi la récompense avec eux. Ou un fils vertueux. Un fils vertueux. Voilà, donc ça, c'est pas n'importe quel fils. Vertueux. Parce que ça, c'est l'impact de l'éducation. Ça, c'est son œuvre. C'est l'impact de l'éducation des pauvres. Donc, un fils vertueux qui invoque Allah en sa faveur. Que Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Faites-le bien écouter. Vous avez fait la zone? On a fait la zone? D'accord. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للبروفيس صلى الله عليه وسلم دي يعرق الناس يوم القيامة يعرق الناس ماذا la cire va couler des gens يوم القيامة la cire يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا jusqu'à ce que leur cire va rentrer sous la terre jusqu'à 70 ذراع jusqu'à 70 coudées 70 coudées ça veut dire 35 mètres il va mouiller jusqu'à combien il va mouiller une profondeur de 35 mètres 70 ذراع هذا يبل الأرض إلى كم من كثرة العرق يبل الأرض إلى إلى سبعين ذراعا سبعين. Comprenez pas. Est-ce que c'est clair ou pas? Ça veut dire la cire va tomber et il va mouiller la terre à une profondeur de 70 coudées. 70 coudées, c'est hein? Ouais, c'est à peu près 35 mètres mouillés sous la terre. C'est beaucoup. Wayul Jimu. Jusqu'à ce qu'il va l'air bridé. Bridé, ça veut dire arriver là où il y a la bride, on met la bride des chevaux. Donc, il y a des gens comme ça, ça veut dire jusque d'en bas jusqu'ici. Vous comprenez? La cire jusqu'ici. Hatta yabluga adan, il y a des gens jusqu'à l'air quoi? L'air oreille. Qui monte jusqu'à l'air oreille. Il a adani. Il y a des lions. C'est clair ou pas? يعني في ذلك اليوم يكون المؤمن في ظل صدقته ce jour là le croyant sera sous l'ombre de son sadaqa c'est sadaqa qui va venir te couvrir donc le soleil ne te touchera pas est-ce que c'est clair هذا يوم القيامة هذا واضح أبدا الله سبحانه وتعالى te met dans l'ombre de quoi de la sadaqa que tu donnes fi sabili Allah wa aydan ya ikhwati al sadaqa tub'id al insan 'an al nar al sadaqa tu ne veux pas aller à l'enfer il faut donner fi sabili Allah ma ra'aytu fi al hadith anna al nabi sallallahu alayhi wa sallam marra fi salat al 'id qala lin nisa tasaddaqna wa law bi huliyikunna fa inni ra'aytukunna akthar ahli an nar On n'a pas entendu le hadith qu'il faut passer au stranger. Après l'Eid, il a fait un serment, il a dit aux femmes de donner fi sabilillah, même si vous donnez vos bijoux. Il a dit parce que je vous ai vu majoritaire dans l'enfer. Ça veut dire que majoritaire dans l'enfer, pour éviter l'enfer, il les a demandé de donner sadaqa. Ça veut dire sadaqa empêche, vous comprenez? وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمر le prophète صلى الله عليه وسلم a dit craignez l'enfer même si ce n'est que ce n'est qu'avec la moitié d'une date même si vous avez une seule date vous la divisez en deux vous donnez la moitié à un pauvre il faut éviter le feu par ça veut dire ça peut vous éviter d'aller à l'enfer donc sadaqa empêche la personne d'aller à l'enfer. Celui qui donne sadaqa beaucoup, yawm al-qiyam, ils vont l'appeler pour rentrer par une porte des gens de sadaqa. Il y a une porte de sadaqa. Fihi babu sadaqa yawm al-qiyam.
أهل الصدقة يدخلون بباب الصدقة. Les gens qui que sadaqa qui domine chez eux, ils vont rentrer par la porte de quoi? وأهل الصلاة وأهل الصيام يدخلون بالريان. Les gens qui font les quoi? الحديث نقل الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. Le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم il a dit que celui qui dépense un double, celui qui dépense un double fi sabilillah. Double fi sabilillah, c'est quoi? Double. Les ulama, lahum tafsiran fi. Il y a deux interprétations. Il a dit celui qui donne le double, un couple, ça veut dire deux, un couple, fi sabilillah, noudia fi al-jannah. Ils vont là, il sera appelé le paradis. Ya Abdallah, ô serviteur d'Allah, hada khair, ça c'est bien. Double, c'est quoi? Zawjain, anfaq zawjain fi sabilillah. Le double. Ils ont dit le double, c'est par exemple. Tu veux donner 10 euros. Après, tu dis non, je multiplie. Au lieu de 10, je vais donner 2 fois 10, c'est-à-dire 20. Ou tu veux donner 1 euro. Tu dis non, au lieu de 1, il faut que j'ajoute encore le double. Tu donnes un double de quelque chose. C'est ça, double. Fisabilillah. Vous me comprenez pas? Tu donnes un verre, fisabilillah, tu dis non, il faut que j'ajoute 2, parce que le prophète, ça me dit que celui qui donne le double, ils vont l'appeler du paradis, ça c'est bien. بعضهم قالوا هذا معنى الدبل والبعض قال من أنفق زوجين il veut que c'est quelqu'un qui donne c'est pas une fois il donne après c'est fini il donne puis il continue à يعني فهمتني يعني شخص يعطي ثم يواصل في العطاء يعني il donne même si c'est paix continuel c'est mieux que beaucoup qui coupé vous comprenez rompi c'est mieux que ça soit paix continuel que de donner beaucoup et rompi. Est-ce que c'est clair? Non. Et donc, هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. Si c'est quelqu'un des gens de salat, ça veut dire quelqu'un qui aime la prière. Il fait les 5 prières. Il fait le nawafil. Il prie la nuit. Il aime la prière. Chaque fois, il aime la prière. Le jour de la Qiyama, on l'appelle par la porte de la prière pour rentrer. ومن كان من أهل الجهاد celui qui est dans la porte du jihad دعي من باب الجهاد ils vont vous l'appeler par une porte de quoi ومن كان من أهل الصدقة c'est celui qui parmi les gens de صدقة ça veut dire celui là c'est صدقة qui domine parce que les gens sont pas les mêmes il y a des gens comme ça c'est la prière qui domine il y a des gens qui regardent qui domine il y a des gens qui les jeunes qui dominent il y a des gens la صدقة qui domine. Ça veut dire qu'il fait tout, mais ce qui domine, c'est ça. فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ يَوْمَ الْخِيَانِ Ils vont l'appeler pour rentrer par quoi? وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ Ah, c'est lui qui gêne beaucoup. دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ Ils vont l'appeler de la porte de quoi? Rayyan. Abu Bakr al-Siddiq sa'al al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hal yumkin an yud'a al-mu'min min jami'i hadhihi al-abwab? Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, est-ce qu'on peut appeler les croyants de toutes ces portes? Ça veut dire, ahl al-jihad, oh, venez, ahl, même personne, tout le monde l'appelle. Oui, si tu fais tout, si tu pries beaucoup, tu donnes sadaqa, tu donnes, donc voilà, toutes les portes, maintenant tu es libre de... Libre d'accès, quoi. Si tu veux rentrer par là ou là, c'est à toi de choisir. Il a dit oui. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, na'am, wa anta minhu. Il a dit Abu Bakr qui fait partie. Donc Abu Bakr Siddiq, il faisait. Abu Bakr Siddiq, il fait partie de. Fera partie des gens que vraiment ils vont les appeler de toutes les 8 portes du paradis. Donc il est libre de rentrer par là où il veut. Al-Fatiha. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وندعو الله سبحانه وتعالى أن يسترنا فوق الأرض تحت الأرض يوم العرض. Est-ce que j'arrive à vous transmettre le message là? وأعتقد فهمتم. نعم هذه هي فائدة يعني الصدقات هذه خير لنا في الدنيا وفي الآخرة. هي عبادة. C'est une adoration. Vous comprenez pas?
C'est une adoration. Quelqu'un qui vous dit, fils Abilillah, si vous n'avez pas, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez, fais-le parce que c'est un bien dans ce bon monde et un bien aussi l'au-delà. ندعو الله سبحانه وتعالى يوفقنا وندعو الله سبحانه وتعالى يعيننا ندعو الله سبحانه وتعالى التوفيق